petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement régler trois petites équations. Résoudre une équation trinôme du second degré avec un discriminant dans lequel il y a des racines. Du second degré avec discriminant qui a une racine carrée. Enfin, regardez, quand vous avez déjà des racines, plein de racines, ça va vous donner un discriminant qui contient des racines. Regardez, 3 racines de 2, là c'est compliqué, n'est-ce pas? Alors donc c'est parti. Mais j'ai pris une simple ici qu'on va faire à la fin. Alors donc, ici déjà, vous cherchez A. A c'est 1, B c'est moins racine de 7. Regardez-moi, et C c'est racine de 3. Vous mettez delta. B carré moins 4, AC. Moins racine de 7, le tour carré, moins 4, A c'est 1, C, racine de 3. Or ça, moins, donc ça va faire 7. Delta égale 7, moins 4 racine de 3. Moins 4 racine de 3. Regardez. Racine de 3, 1 virgule, vous êtes d'accord? 4 fois 1 virgule, ça ne fait pas 7. Donc ça, c'est positif. Delta est positif. Donc, l'équation admet deux solutions distinctes. Comme vous connaissez, distinctes. En fait, delta, d'abord, il faut que je le transforme. Parce qu'on va chercher racine de delta. Ça va vous donner racine. Regardez, il y a racine dedans, n'est-ce pas? Il y a racine dedans. Donc, ça va vous donner grande racine. Parce qu'on met, on fait racine de delta. Donc, quand vous arrivez ici, vous transformez d'abord. Vous posez delta égale 7 moins 4 racine de 3. Vous essayez de transformer ça. Vous cherchez dans votre tête. Vous cherchez... c'est racine de 3 ou bien c'est racine de 2? Bah oui, c'est racine de 3. En fait, comment on a fait ça? Ça, en réalité, c'était une identité remarquable. Vous voyez? Ça, c'était une identité remarquable. Peut-être que c'était... Donc, en fait, il y avait 3 ici, plus... Regardez comment on fabrique. Je regarde ça. C'est lui qui va m'aider. Regardez bien, c'est lui qui va m'aider. Parce qu'on avait fait racine de 3 au carré pour avoir 3. C'est ça, c'était une identité remarquable. Donc, il y avait plus 2AB. Ça, c'est, celui-ci, c'est 2AB. Donc, 2, je vais éloigner, plus 3, plus 2, A, B. Donc, comme il est 4, donc en fait, c'était fois 2 racine de 3. Vous voyez? 2 A, B. Donc, en fait, ça veut dire qu'ici, A, c'est combien? A carré, n'est-ce pas? A carré. Ici, on avait 4. Voilà, ici, on avait 4. Et c'est pourquoi il y a moins. Moi, j'ai trouvé. Vous fabriquez, vous faites ça avec votre tête, vous cherchez. Vous cherchez, vous voyez, en fait, 4 plus 3, 7. Donc, en fait, ça, c'était une identité remarquable. C'était A carré, en fait, ce n'est que 2 moins racine de 3, le tout au carré. C'est ça qui donne ça. C'est ça qui donne ça. Voilà. C'est ça qui a donné ça. Maintenant, je peux faire, regardez, j'ai au carré, je peux mettre maintenant grande racine, delta, racine de delta sera égale à grande racine de 2 moins racine de 3, le tout au carré. Vous êtes d'accord? Maintenant, j'ai trouvé racine de delta, racine, quand c'est au carré, dedans, racine de A carré, ça vous donne A. Donc, ça fait 2 moins racine de 3. Vous avez vu, 2 moins racine de 3. Racine de delta, c'est 2 moins racine de 3. Maintenant, je peux faire mes solutions.
x1 moins b moins racine de delta sur 2a. B, c'est moins racine de 7. Donc avec ça, ça fait plus racine de 7 moins racine de delta. Donc moins 2 plus racine de 3 sur 2. Et voilà la réponse. Tout simplement, x1, x2, x2, c'est racine de 7 aussi, plus, maintenant, plus 2 moins racine de 3 sur 2a. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Maintenant, on va essayer de faire ça. Ici, a, c'est 1. B, c'est moins, voyez, moins 3 plus racine de 2. Et c, c'est 3 racine de 2. Même chose, identité, remarque. Delta, ça fait moins 3 plus racine de 2, le taux 4, moins 4ac. A, c'est 3 racine de 2. Ça, ça fait moins 12. Moins 12 racine de 2. Vous êtes d'accord? Et maintenant, je transforme ça. Déjà, le moins, il va partir parce que c'est au carré. Donc, ça fait 9. 2ab plus 6 racine de 2 plus 2. 9, ça fait 11. 6 moins 12 moins 6 racine de 2. Voilà, je suis arrivé là à delta. Je calcule encore. Ça, c'est positif. Delta, positif. Deux solutions. Maintenant, je transforme parce que je dois avoir racine de delta. Je vais transformer ça. Regardez. Je sais que ici j'ai racine de 2. Donc, en fait, ici, j'avais plus 2. N'est-ce pas? J'avais plus 2. Alors, comme c'est 2ab, je vais a plus 2. Donc, ça, 6 là, c'est 2ab. Parce que regardez ici, 2, on a ces racines de 2 au carré qui m'a donné 2. Ouais, ça, c'est une identité remarquable. Ça, c'est une identité remarquable. Donc, en fait, ici, on avait racine de 2 au carré. C'est ça qui nous a donné 2. Maintenant, je vais enlever ma racine. Alors, ça veut dire que 2 plus quelque chose m'a donné 11. Donc, ici, c'est 9. Donc, ici, c'est 9 moins. Voilà. Donc, 9 moins 2 fois 3 racine de 2. Vous voyez ça? Ça vous donne ça. Mais en fait, 9, c'est qui? 9, c'est 3. Vous voyez, c'est 3. Donc, en fait, ça, c'était juste 3 moins racine de 2, le tout au carré. Vous voyez, 3 moins racine de 2. Vous voyez, c'est avec la tête qu'on fait. Vous regardez ça. C'est lui-là qui va vous indiquer. Vous le mettez ici. Vous enlevez la racine, donc c'est 2. Ça veut dire, en fait, c'était racine de 2, le tout au carré. Maintenant, ça, ça veut dire c'était 2ab. 2ab. Donc, A, ça veut dire que A, c'était 3. Donc, ici devant, c'était 9. Donc, 9 plus 2, ça qui nous a donné 11. Donc, ça veut dire que A, c'est 3. Et B, c'est racine de 2. Maintenant, je peux faire racine de delta. Voilà, j'ai remarqué que ça ne se voyait pas très bien à la caméra tout à l'heure. Donc, racine de delta, il avait donné grande racine de 3 moins racine de 2, le tout au carré égale 3 moins racine de 2. Voilà, et puis, on va faire les transformations ici. Parce que ça ne se voyait pas bien tout à l'heure à la caméra. Donc, maintenant, je peux faire mes solutions. X1 moins B moins racine de delta sur 2A. Moins B moins, avec moins, ça devient plus. Donc, ça fait 3 plus racine de 2 moins racine de delta moins 3 plus moins 3 plus racine de 2 sur 2. Racine, ça et ça, eh bien non. C'est 3 qui partent, il reste 2 racines de 2. Donc,
Oui, je pense. Vous voyez? 3 et 3 vont partir. Il reste racine de 2 fois plus racine de 2, 2 racines de 2, 2 racines de 2 sur 2. Donc le résultat, c'est 2. Sauf erreur. Peut-être une erreur de calcul, mais je pense que c'est ça. Je vais prendre l'autre. Moins b plus maintenant. Plus. Donc, moins b, ça fait 3 plus racine de 2. Plus, ça ne change pas. Donc, plus. Plus 3 moins racine de 2. Plus 3 moins racine de 2 sur 2. Cette fois-ci, c'est racine qui part. Donc, ça fait 6 sur 2. Ça fait 3. Donc, x2 égale 3. Vous avez... Donc, voilà. Vous avez vu, ça, c'est des solutions. Donc, maintenant, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Voilà, vous avez x1 ici qu'on a trouvé, x2. Et ici, x1, c'est où? X1, c'est ça. X1 égale racine de 2, x2 égale 3. Vous voyez, c'est très simple. Je vais terminer par ça. Ça fait, lui, je peux l'envoyer de l'autre côté. Ça fait 2 racine de 2x moins 4x égale moins racine de 2. Je peux mettre x en facteur, donc ça fait 2 racine de 2 moins 4. Facteur de x égale moins racine de 2. Il va au dénominateur. Ça fait x égale moins racine de 2 sur 2 racine de 2 moins 4. Ça, c'est moins. Maintenant, vous faites l'expression conjuguée. Donc, je vais quand même avancer et puis moins racine de 2. Le conjugué de ça fait 2 racine de 2 plus 4. Le tout sur le conjugué. 2 racine de 2 moins 4, facteur de 2 racine de 2 plus 4. Maintenant, c'est à vous de calculer ça. Vous calculez, vous savez calculer, ben vous allez trouver, eh ben, la valeur de x. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.